Hey, bonjour à tous, c'est l'été dragon et on se retrouve pour la suite de RE Code Veronica X, épisode 11, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va continuer, on s'est arrêté la dernière fois en plein bordel, faut vite qu'on retourne à l'avion, au plus vite. On a tué le boss juste avant l'épisode, vraiment à la fin du dernier épisode. Là, il y a Steve qui nous attend dans l'avion, on y va vite. Voilà, mais je sais pas combien de grenades, hein. Putain, un bon paquet, on a presque tout mis. Hein. Ça a été un vrai carnage. C'est marrant, on a un petit sous-marin pour les bébés, tu sais. Il faut qu'on te dépêche, le temps roule. Tu vas nous enlever une couille, tu vas voir. Ça va être merveilleux. Faut prendre moi, quoi. Ça va tirer du cul, hein, que le temps, hein. Allez, vite. Allez, Claire, on se bouge le cul, là. Allez, allez, allez. Adieu. Ah, du coup, attendez. À gauche, évidemment. Oh, c'est les portes qui nous prennent tant de temps. Regardez-moi, c'est le temps qu'il nous faut pour ouvrir une porte, là. Le chrono qui s'arrête pas, quoi. Putain. Allez, ça va le faire. C'est l'enfer. J'arrive. Allez, grouille. Allez, c'est bon. Fuyons. Décollons plus vite. Il est marrant, lui. Allez, fonce, bordel de merde. Ah, cinématique. Bye bye. Ah, ça fait plaisir de se barrer cet endroit, je vous jure. Je commence à avoir un peu marre. We made it. Ah, ça fait plaisir. Oh, it's finally over. Qu'est-ce que nous fait la coquine là? Ils vont finir ensemble tous les deux, tu vas voir. Claire, I'm sorry. I know I caused a lot of trouble for you. No, it's okay. It was hard for both of us. Well, I really hope you find your brother. I know what it's like to be alone. Oh, Steve. So, where should we go now? I can take you anywhere you want to go, Claire. Tahiti. I hear Hawaii is nice this time of year. Yeah. You got it. L'avion fait un bruit bizarre là, non? Ah, non. Le mec il sait conduire les avions quand même. Hein. Ce jeune homme. Ouais, il est sympa ce Claire. Hein. Ah, toi t'es dans la merde. Il prend le charme. This game is not over yet. Change de voix, change de. You will see
what real terror is all about. Il a un F-16. Peut-être il a un avion de chasse. On est dans la merde. Genre, il sait le conduire aussi. Ouais. Bah oui, tout le monde sait quoi dans des avions ici. Hein. Ah, je me dis peut-être que c'est une femme en vrai, vu sa voix. Et pas l'inverse. Oh non. Trop beau pour être vrai. Hein. What the? The cargo room hatch is open. I'll go back and check it out. Thanks. I've unlocked the cargo room door. Ouais, bah on va sauvegarder hein, déjà. Non mais il y a le ruban à côté, mademoiselle. Ah, attendez, il n'y a pas une valise là? Une malle, s'il y a une malle. Ah, mais elle est en bas. Alors attends, on est comment là? Bon, c'est bon, on reste comme ça. Là. Putain, mais. Oh, encore une alarme, ils sont sérieux là? Oh, au bout d'un moment. C'est bon quoi. Dans mon cockpit. Je sais pas si je prenais pas un soin. Mais... Bon, on y va comme ça, on verra bien. On va visiter l'avion. Plus là encore, s'il vous plaît. Non mais sérieux quoi. Ils sont sérieux hein. Ça c'est abusé quand même. Une heure pour... Un quart d'heure pour ouvrir une porte quoi. Oh non. Quoi? Il est là lui? Mais viens, je t'ai tué. Oh non. Mais j'ai plus de combat moi. Ils sont sérieux. Encore un boss. C'est le même un peu plus noir lui. Ah non. On est mort. J'ai pas pris les armes qu'il faut là. Mais sans sérieux. Préparez-toi. J'en ai que 3 grenades hein, donc bon. Ça va être comique. C'est quoi ça? Éjecter la caisse. Ah attends. Attendez voir. Dégage. T'es pas bienvenu dans mon avion. Oh. Ah 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 bon. Il est où? Ah nanana. Oh. Oh la tarte. Ah ouais d'accord. What? Il m'a tué en 2 coups. 2 ou 3 j'ai pas. Oh. Oh, oh là, heureusement que j'ai sauvegardé. Attends, 2 boss d'un coup quand même. Hein. Tout jeu, t'as pas de boss, là 2 boss d'un coup. Ça va être chaud quand même. Il me reste quoi, une grenade, moi? Il me reste pas beaucoup. Hein. Ça va être comique. J'en ai 4 là. Oh, c'est tout. On va prendre l'arbalète. Hein. On prend tout ce qu'on a. Ah, j'ai une explosif. Hein. J'en ai qu'une par contre. Ça va être tendu là. Hein. Bah, on va se prendre la plante verte, hein, évidemment. Ok. Voilà. Du coup, on va associer ça avec ça. On va prendre ça. Et puis bah voilà, que je vous dise. Adieu Claire, adieu monde cruel.
Ah, ils ont abusé. Et là, tu fais comment? Et si t'as plus de grenades, imagine que t'as mis tout sur le boss d'avant. Tu fais comment, là? T'es bien emmerdé, là. Hein, de quoi? Ah, je sais pas s'il prend des dégâts, je pense que oui. On va dire, hein. Voilà. Bon, même si j'ai pas l'impression. Ça fait plutôt rigoler. Je sais même pas si j'ai touché, quoi. Prison de caméra dégueulasse. What? Il est trop rapide! Attends, il... Oh! J'ai chaud. On va se mettre là, MDR. En bord du vide. Comme ça, la mort sera plus rapide. Eh, mais je rigole, mais on est dans la merde. Merde! Ah, d'accord, j'ai les pierres grenades. Oh putain, je suis tombé! Je savais pas qu'on pouvait tomber! Je suis tombé! Faut pas se mettre au bord du vide! Ah, c'est bien, ils ont pensé à ça! Oh, ça va être chaud! On a 4 grenades qui se courent après! Attends, hé, hey, je... hey, Steve, t'as pas des grenades? Attends, mais il y a peut-être des grenades, j'ai pas envie! Sérieux là? Ouais, mais là on est dans la merde! Y'a pas de grenade. On est dans la mer. Putain. Putain, ils sont chiants. Ils savaient que tout le monde allait recommencer là, mais ils mettent la porte la plus longue du monde. Sérieux, les mecs. Putain. Il faut toujours qu'ils foirent quelque chose, hein. On peut pas s'en empêcher. Pourquoi j'ai jeté ça, moi, là? Parce qu'il est bien. Faut peut-être attendre, hein, vous allez me dire. Là. Ça devient, c'est pareil. Peut-être qu'on peut le refaire après, hein. Ah ouais. Ah, comment tu veux esquiver? Il n'y a pas d'esquive dans le jeu. Ça, ça me fait toujours planer dans ces jeux aussi, tu sais. Il est super rapide, en plus. Je m'en remets les boutons quand même, hein. On va tomber encore, vous allez voir. Oh les... Quoi? Ah ouais, d'accord. Mais il est balèze, lui. Mais j'ai pas loupé le magnum ou un truc comme ça, ou... un lance-roquette ou... Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre, là. Pour changer, hein. Je vois pas comment on peut faire, là. Il tue en 2-3 coups. Enfin, je me soigne là. Mais putain, il fait des gros dégâts, hein. La vache.
Le lance-grenade, je trouve que c'est vraiment de la merde par contre. C'est une catastrophe ce lance-grenade. Hein. Dans le jeu en tout cas. Je suis tellement lent. Le temps que je tire la grenade, je peux pas bouger les gars. C'est super lent ce jeu en fait. Hein. Ah ouais, mais le mec qui te met dans la merde en deux secondes aussi. Oh, il est trop rapide. What? La vache quoi, la rapidité du bordel. Ok, je peux activer le machin. Ah putain, je me demande s'il faut pas temporiser en fait. Hein. Je fais quoi là? Oh, je suis dans la merde. On est dans la merde. Je suis en danger en plus. Mais what? J'ai plus de soins. Je dois le vaincre. Très drôle. On n'y avait pas pensé, dis donc. On peut pas activer les caisses? C'est bizarre quand même. Mais attends, mais ils sont sérieux là? Le jeu vient dur d'un coup là. Le jeu te dit, eh, va te faire enculer, eh, va te faire enculer. D'accord. D'un coup, va te faire enculer. Bon bah on va prendre toutes les tours, on va tout prendre, hein, qu'est-ce que je vous dise. Pas le choix. Hein. Allez, c'est la fête. Et c'est la fête. Bah la plante verte, on va la garder quand même, je pense pas que ça change grand chose. Cette alarme, j'en peux plus. Hein. C'est horrible. Personne leur a dit que c'était casse-couille, ça. Putain, on va y rester tout l'épisode dessus, quoi. Putain. C'est trop lent ça, les gars, putain. On est sur PS4, bordel de merde. À quoi ça sert d'éjecter les caisses? Ah ça, par contre... Ça, c'est le secret. Hein. J'ai pas le temps de bouger. T'es trop lent dans ce putain de jeu. L'autre, il est 10 fois plus rapide que toi. T'as pas le temps de bouger, regardez ça. J'ai pas le temps de bouger. J'ai pas le temps, le jeu est trop lent. On voit que ça n'a pas été prévu pour. Hein. Ah peut-être qu'il faut que j'affaiblisse avant là. À quoi ça sert par ça? Je comprends pas en fait. Il me ramène direct, c'est ça. Les gars, ça a rien du tout. Pas mal. Pile où il faut aller. Pas mal. Je suis à fond, hein. Je peux pas. Ils sont croyants qu'il n'y a pas d'esquive dans leur putain de jeu de merde. Tu mets pas des ennemis rapides quand t'as pas d'esquive dans ton jeu en fait. Ça n'a aucun sens en fait. Personne leur avait dit. Il y a un truc qui a, ça sonnait là.
Ah, je peux faire deux fois. Ah, d'accord, fallait faire deux fois. Ah, mais attendez, je recommence alors. Attendez. Tirant à raplapla. J'ai usé des balles pour rien, là, on est d'accord? Non, non, mais je recommence. Attendez. Attends, on peut pas quitter le... Putain, c'est vraiment de la merde, hein, quand même. Attends, j'ai usé toutes mes balles pour rien, là? Vous êtes sérieux? Non, non, mais je recommence. Fallait juste patienter, bah, c'est bon. What was wrong? Oh, nothing. Just a giant cockroach that had to be stepped on. Ouais, ça par contre, ça c'est le genre de truc qui me casse un peu les burnes. Les commentaires qui n'ont aucun sens. On a lâché comme des cons, le te. I don't know. The plane just changed direction on its own. It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control. My apologies, but I cannot let you escape now. Putain. Alfred, cross-dressing freak. Aucun sens. Ils vont finir ensemble tous les deux. Que la musique, what the fuck, ils sont encore dans les feux de l'amour, quoi. Je vais t'attraper. Aïe 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 aïe. My good. Oh non, c'est parti. Il tente sa chance. Attention, Steve, attention. Steve tente le bisou. Attention, il est chaud, il est chaud. Attention pour le bisou. À 2 cm. Oui, oui, oui. Non, c'est raté pour Steve. Il rentrera une autre fois. Aïe, aïe, aïe. 267. Et il a raté son coup. Hey, where are we? Huh? Latitude, 82.17 degrees. Oula, on est dans le Mont Blanc, là. That's the Antarctic. We're over the Antarctic. What? C'est pas trop Hawaï, ça, hein? Those are the seaplanes that left the island right before us. Then that must mean this place belongs to Umbrella. Voilà. Oh. Sympa la cinématique en tout cas. Regarde la partie. Ah bah si c'est gratuit, oui. Putain, attends, j'ai eu toutes mes balles et tout, là. J'ai bien envie de recommencer, quand même. Hein. S'il fallait juste patienter... Vous avez vu tout ce qu'on lui a mis, là? Partie 2. C'est peut-être le deuxième CD, non? Je crois que c'était en 2 CD, ce jeu, non? Tellement qu'il était long. On est qu'à la moitié, là. C'est vrai que c'est un putain de long Resident Evil. Par rapport au premier au zéro, ça n'a rien à voir. Oh. Steve! Hey, wake up, Steve! Oh. Oh. Ils ont rien. Ils sont scratchés, ils ont rien. We're still alive. Putain, vous avez de la chance.
ou pas. Ah bah ça y est. Dans les bras, on est bon. Hein? Thanks. Thanks de quoi? Plane's trashed. Well, let's split up and find another way off this oversized freezer. Frigo. Séparons-nous. Ouais, séparons-nous. Le truc qu'il faut jamais faire, évidemment. Okay. Let's do it. Personne fait ça en vrai. Hein. Ça, c'est, tu vois ça que dans les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sépare. Mais oui, bien sûr, on sépare. Ouais. Tout à fait. Ok, bon bah nouvel environnement. Vital pour évacuation d'urgence, accès interdit. On n'y voit rien, il y a un putain de brouillard là. Et du coup on n'a plus rien. C'est une catastrophe, Thérèse. Ça fait chier là. J'hésite à refaire, hein. Ça me saoule. Là. Plus. Bon, on va continuer là, on va aller voir là-bas déjà. Et là, il y a quoi? Un escalier en plus. Faut qu'on retrouve des ressources là. Putain. Une torche, sérieux? Tu vois un lit? Moi je vois rien, moi je vois que de la merde. Il y a un putain de brouillard, par contre ça je le vois. Oui, ça, tu vas pas répéter à chaque fois que je clique un truc quand même. Ah la poudre, ah ça c'est bien ça. On va faire des explosifs. Ça c'est à prévoir. Des balles de flingue. Ouais, lui va se réveiller ce budget. Oh! Ok, ah ils vont nous remettre. Ouais. En général c'est toujours comme ça, dis tu bats un boss. Ils te remettent un peu de tout. Bon. Ouais, c'est bon, on continue comme ça, allez. Soyons fous. Voilà. On ne s'y attendait pas. Hein. Ah, il y en a un deuxième. Il y a encore des balles là. Ah, il est pas mort. Ça mord jamais, d'accord. Donc toutes nos balles, on va les gaspiller là-dedans. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Il n'y a pas des balles là. Tu peux prendre les balles ou... Non, tu veux pas. D'accord. Putain, on gaspille toutes nos balles. Ah, ça valait le coup prendre des balles, hein. Mais il n'y avait pas des balles sur le lit, putain de merde. Je suis coincé par un con ou quoi? C'est l'enfer, cette zone. Putain. Oh là 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 là. Ah oui, vous pouvez en donner des balles, hein. Putain, bande de cons, moi.
C'est bien qu'il y avait des balles, bordel de merde. Oui, mais on s'en fout. C'est chiant quand ils racontent leur vie, là, par contre. C'est tout ce qu'il y avait, là. Ok, bah c'est bon, allez, c'est bon. Bon, on a quand même récupéré des balles, finalement. Prendre la carte. Ah bah oui. Ok, base Antarctique. Ah oui, on est vraiment en Antarctique, quoi. C'était pas une blague. Bon, je pense qu'on a tout fait, hein. On y comprend rien, cette zone-là. Attendez, là. Putain, mais oui, t'es chiante. Ok. Du coup, est-ce qu'on descend? On sait pas, là, putain. Attendez, on a la carte. Ouf. On va aller là. A priori, il n'y a qu'une porte qu'on peut aller. C'est sûrement un truc à récupérer. Important. Sort en bas. Mais c'est quoi cette caméra là? Là, il y a un truc qui a l'air pas mal là. Quoi? Je suis où là? Ah mais il est en prison. Il est enfermé. D'accord, ah bah d'accord. Bonjour. Ça va? Beaucoup de balles, hein. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de zombies donc. Hein. Ah ouais, clairement. Un ruban, très très bien. 3 par 3, c'est cool. Encore des balles. Ouais, ça y va les balles. Ils nous remettent bien là, ça va. Y'a un truc là. Il faut cliquer partout dans le jeu. Une herbe bleue. Je savais pas qu'il y avait des herbes. C'est pour le poison ça. Oh putain, c'est pas bon signe ça. On va savoir, il y aura des insectes ou je sais pas quoi. Attends quoi? Attends, il y a une plante là. Oui. Attends, on va mélanger les deux là. Ah, des quoi? Ah, une machine à découper le métal. Ok, va falloir découper un truc. D'accord. Bon, bah, faut qu'on se rappelle qu'il y a une machine de métal. Oh, t'es mal fort, ce con. Ah, lui, faut qu'on le libère, lui. Il y a un truc là, je veux prendre dedans. Et je peux pas ouvrir. Il n'y a pas d'interaction. Hein. Bon. Une porte automatique, je sais pas. Ils sont en bas, ok. C'est verrouillé, il y a une inscription salle des machines. D'accord. Faut trouver la clé de la salle des machines, donc. Bon bah allez, on va en bas. Hein. Et on descend de la montagne à cheval. Oh là, il va y avoir des araignées. Oh non. On a des toiles d'araignées là.
On va se faire empoisonner par les araignées, ça va être ça. Putain, t'as mis les araignées dans celui-là aussi? Oh non. Ah ouais. Ah non, tu crois? Oh non. Oh non, des moustiques ou je sais pas quoi. Oh merde. Oh putain. Oh ça c'est pas résistant mais putain. Oh non, je déteste les insectes. Mais vous êtes sérieux? On mettait les zombies, c'était bien mieux. C'est quoi ce bruit là? Il y en a qui est énervé là. Confession d'Alexander. Il est partout lui. Hein. Edward, mon père, découvrit la souche du virus en collaboration avec Lord Spencer. Ah, c'est pas dans le premier ça? Un autre aristocrate, il étudiait en vue d'une utilisation militaire. La recherche prit forme, l'une des mutations du virus fut nommée virus T. Ah bah oui, c'est dans le 1 ça. Ils font des Umbrella Chemical Incorporation pour servir à la société écran de la recherche. Après mon diplôme en biogénétique, je suis accepté à un projet top secret soutenant les recherches de mon père. Je connus les difficultés ralentissant nettement mes recherches et mon père mourut en plein milieu du projet. Nous perdons chaque jour de terrain face à la concurrence qui est féroce dans le secteur de la recherche sur le virus T. J'ai ainsi déshonoré le nom des Ashford que nos ancêtres Véronica avaient rendu si glorieux. D'accord, donc en fait Véronica c'est leurs ancêtres quoi. Si rien n'est entrepris, Umbrella disparaîtra sous la coupe de Spencer. Je dois absolument achever ces recherches sans que Spencer ne se doute de quoi que ce soit. J'ai finalement décidé de construire un complexe de recherche avancé. Il sera localisé en Antarctique, dans le terminal de transport que j'ai créé à l'emplacement du chantier de forage. D'accord. J'y ferai construire une maison en tout point identique à mon manoir. C'est tout ce qui le reste du Trevor d'une certaine façon. Je pourrai ainsi m'y consacrer à mes chers souvenirs. Pour des raisons évidentes de sécurité, le projet se verra attribuer un nom de code. J'ai choisi le nom de la plus célèbre des Ashford, Véronica, que je souhaite ainsi honorer. Le mec il dit tous ces trucs quoi. Il est con lui, hein, dire son code là. Je suis sûr que nos recherches aboutiront et que leurs résultats seront aussi célèbres que le nom de notre glorieux ancêtre, l'honneur des Ashford, sera ainsi restauré. Ok, donc Véronica, il y a un code avec Véronica je pense. On essaiera de se rappeler. Là il y a un bruit que j'aime pas trop là par contre. Il n'y a pas de serrure. C'est pas mal ça aussi. Mais... Ah, il y a une salle cachée là. Il y a une salle cachée. Vu la map. Ok, une arme. Non. Il y a un tiroir, je voulais voir le tiroir. Non. On va se garder, mais attends, je fouille avant. Ok, bon, on va poser notre bazar. Il y a un coffre. C'est quoi ce bruit là? Putain. On va juste garder le spray, on va poser ça. Alors, le grenade, je pense qu'on va le poser, hein. D'air. On a rien. On a pas grand chose. Attends, du coup, on va remplacer ça. Voilà, comme ça, je pose les. Je pense que ça devrait être tranquille pour l'instant. Donc, bon, voilà. Voilà, on va s'arrêter comme ça. On recharge ça. Voilà. C'est pas mal comme ça. L'Antarctique.
bâtiment, c'est comme 40 minutes. Allez, on va continuer un petit peu. Oh là, il est mort lui. Oh putain. Mais what? Oh non. Mais... Oh que c'est... Ah ouais, ils font du poison, mais c'est sûr. Mais... Ça c'était sûr. Oh non. Oh là là, non. Oh les pyramides du monde, non. Ah, il y a des herbes bleues. Oh, attends, on peut soigner elle directement, ça veut dire? Ah, ça, c'est bien, alors. Ah, il fallait une merdouille, hein. On n'avait pas encore eu. Le jeu était parfait, hein. Voilà. Jusqu'à maintenant. Ok, on est en bas de... d'en haut, je pense. Ouais. Alors... Tu vas nous faire chier toi, ouais, tu vas nous faire chier. Bien sûr que tu vas nous faire chier. Je passe. Ça te dérange pas, hein. Il y en a un autre. Hein. Ah oui, il y en a deux autres. Putain. Évidemment, il y a une porte. Et là, c'est rouge. Pourquoi c'est rouge là? Qu'est-ce qu'il nous faut? Forage, ok. Putain, on va trouver des clés les gars. Chercher les clés. J'aime bien le casque qui tombe, c'est pas mal. Hein. On trace. B-O-W. Ok. Ça. Libération du masque à gaz en cas de fuite de gaz. D'accord. Il y a un bruit chelou là. Oh, il y a des araignées. Pas mal, j'ai envie de recharger. Mais what? Oh la vache, comme ils sont résistants. Oh non. Faut viser en fait, hein. La miss. Oh là là. Comment elles sont grosses. Oh non. Oh putain de merde. Oh, faut prendre les trucs explosifs à mon avis, hein. Oh, elles sont super résistantes quoi. Oh d'accord, c'est une catastrophe, Thérèse. Oh la vache. Ok. Bon. Ok, faut prendre les harpons explosifs, à mon avis. Il doit craindre le feu, comme d'habitude, comme tous les Resident Evil. Eh ben, on va s'arrêter là, vous savez quoi, 43 minutes. On va faire tout le propre. On continuera. Eh ben, on prendra les carreaux explosifs. J'en ai combien? J'en ai fabriqué, je crois, de toute façon. Combien on en avait? C'est là, on va utiliser toutes nos balles pour rien. J'en ai 10, voilà. On fera ça. Ça se passera mieux, c'est sûr. Eh ben voilà, bon du coup, bah pas mal, hein, sympa. Nouvelle zone, ça fait plaisir. C'est vrai que ça a commencé à gaver, hein, toujours la même zone, là. Donc là, bah, là, je crois qu'on attaque le deuxième CD, la deuxième moitié du jeu, je pense. Voilà. Donc on doit être à la moitié, quoi, seulement. Donc c'est cool. Un Resident Evil, effectivement, assez long, a priori. Hein. Comme j'avais cru l'entendre. Bah ça fait plaisir en tout cas. Steve qui est plutôt sympa finalement, un bon personnage. Hein. Bon bah l'autre est complètement taré, Alfred là, mais... Avec ses deux... Alfred, Alfreda, on sait pas trop finalement. Ou Alexia là. Donc c'est cool, bah voilà, j'ai hâte de voir la suite, voir comment ça va se passer. Bien sympa en tout cas.
Et ben, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire aussi. Faites-vous plaisir. Et ben, je vous donne rendez-vous très très vite pour la suite du Let's Play de Resident Evil Code Veronica X. Portez-vous bien et bye bye.